ma chaîne si vous ne me connaissez pas encore et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais me maquiller uniquement donc avec la collection de Noël de Kat Von D, donc c'est la collection fétiche et c'est Studded Kiss Cream qu'elle avait sorti en lot. Je ne sais plus les prix donc je vais vous les afficher ici. Donc en premier il y a la fétiche que je vous avais déjà présentée, donc vous la connaissez de toute façon, cette vidéo arrive après la guerre, il y a ma maman qui m'appelle, c'était ma maman. Donc je vous l'ai déjà présentée, vous les connaissez, hop, les couleurs, donc il faut vraiment que je me dépêche, il y a le soleil qui arrive, les couleurs sont comme ceci, elles sont vraiment très très belles. Donc vous allez avoir les swatchs tout de suite, donc de la palette. Dans cette vidéo donc je vais bien évidemment utiliser également la fétiche donc blush et highlighter palette, donc qui se compose de 3 blushs et de 3 highlighters. Donc en highlighter il y a le Rose Shock que l'on connaît qui est dans la Metal Crush et en individuel, le Magic, le Telepathy, et en blush on a le Bathory, Salem et Coven. Donc la palette se présente comme ceci, donc comme la palette pour les fards à paupières. Donc ici vous avez Bathory, ici vous avez Salem et ici vous avez Coven, et donc ici Telepathy, Magic et Reshock. Donc voilà, pareil, je vous laisse regarder les swatchs maintenant. Et donc elle avait aussi sorti un petit bundle de mini Studded Kiss Cream, donc qui se composait du Bow and Arrow, Sanctuary, Crucifix, Ophelia et Piaf. Donc bah, ce sont les nudes les plus populaires en fait de ces rouges à lèvres qu'elle a sorti. Donc forcément j'ai foncé dessus. Donc voilà, c'est tout pour ce qui est des swatchs. Vous allez voir donc quelle couleur je vais utiliser pour pouvoir réaliser ce look. Et vous aurez donc mon avis final à la fin de la vidéo. Et vous aurez un petit update ce soir pour voir comment les fards ont tenu, vu que j'ai quelques petits rendez-vous à honorer. Donc voilà. Un kiki ? Ouais ? Donc voilà, si vous voulez voir comment je réalise ce look, vous savez quoi faire. Keep watching. Ok, donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait tout ce qui est teint, donc bronzer, sourcils. Je n'ai juste pas fait le blush et l'highlighter parce que ça va être avec la collection fétiche. Donc on va s'attaquer tout de suite aux yeux. En premier, je vais mettre, c'est mon Color Correcting, donc c'est une base pour fard à paupières, donc de chez Kat Von D, et c'est la teinte fer si je ne me trompe pas, oui c'est ça.
Je vais juste baisser le son. Je me mets un petit peu de musique. Maintenant, quand je me maquille, c'est plus sympa. Donc, c'est mieux si on se rapproche vu que ce sont les yeux. Je viens prendre un pinceau fluffy et la couleur sexe que je vais mettre dans tout mon creux paupière. Et je vais bien le diffuser. Et ça va me servir de teinte de transition. Une fois que c'est fait, je prends un pinceau pour le creux paupière un peu plus petit et je vais mettre la couleur fixation donc dans le creux paupière, donc celle-ci. Et je vais juste vraiment histoire de marquer le creux et de faire un dégradé vraiment plus progressif. Je viens l'étirer un petit peu sur le côté jusqu'à à peu près là, à être à quelques millimètres de mon sourcil. Et je reprends mon premier pinceau avec un tout petit peu de matière, juste pour bien fondre les deux couleurs. Ensuite, avec un autre pinceau, encore un petit peu plus petit, mais toujours un pinceau beau, je viens prendre la couleur, donc ici, suspension, donc qui est un marron assez froid, assez foncé, qui m'a l'air très très joli. Il y a plein de couleurs que je n'ai pas utilisées encore dans cette palette, tellement il y en a. Et donc, je viens la déposer en oblique, dans le coin externe de mon œil. J'applique d'abord la matière. Je viens la mettre un petit peu dans le creux, mais pas totalement. Et je viens juste essuyer un tout petit peu mon pinceau pour enlever l'excédent de matière. Et maintenant, je vais travailler mon fard. Et je reprends mes deux pinceaux précédents, donc d'abord la couleur qui m'a servi à foncer le creux paupière pour mélanger avec la couleur que je viens de poser. Et ensuite je reprends mon premier pinceau, pareil pour fondre parfaitement. Donc pour l'instant j'ai utilisé que des fards mats et il n'y a pas de chute, donc ça c'est génial. Je ne vais pas faire de cut crease, j'ai pas trop envie, donc je vais prendre un pinceau plat. Et je vais venir appliquer le fard Naughty, donc celui-ci. Oh, très poudre celui-là. Et je vais l'appliquer donc pas jusqu'au coin interne de l'œil, mais de quoi laisser une petite base pour pouvoir illuminer. Et je viens pacter la couleur. Et je viens avec mon pinceau juste faire de petits va-et-vient au niveau de mon creux paupière pour pas avoir une démarcation trop nette. Et je viendrai retravailler le fard de toute façon. Alors je suis pas très satisfaite parce qu'il n'y a pas trop de contraste au final entre les deux couleurs là. Donc je vais juste prendre un tout petit pinceau boule et vu qu'il y a un noir, je vais prendre la couleur rubber et je vais juste foncer un tout petit peu à ce niveau là juste pour mettre plus d'intensité parce que je pensais que les couleurs allaient mieux contraster. Je dépose juste un petit peu noir et je reprends mon pinceau pour le creux et hop, on blend. Donc toutes les couleurs que j'ai fait au dessus je vais les faire en dessous et ensuite je vais m'occuper de mon coin interne. Une fois que c'est fait, je vais prendre mon Everlasting Lip Liner en leuve donc de chez Kat Von D et je vais venir l'appliquer comme base donc, dans mon coin interne. Et je vais prendre un tout petit pinceau histoire de
laisse tomber avant qu'ils sèchent, même s'ils sont assez gras, mais bon, c'est toujours mieux. Alors, c'est pas trop pratique avec les faux ongles. Donc, je commence déjà à travailler le dégradé entre mes deux couleurs. Avec un autre petit pinceau boule, je vais prendre la couleur ink, donc la couleur violette juste ici, et bien évidemment, vous vous en doutez, je vais la mettre par-dessus la base donc, que j'ai faite en violette. Et on vient bien fondre donc le gris et le violet, bien évidemment. Et pour éliminer un petit peu ce regard, parce qu'au final, pour l'instant, je n'ai utilisé pas que des fards mat, je vais prendre un pinceau plat et je pense, vu la couleur, que je vais appliquer donc celle-ci, c'est la Deviant, donc c'est une sorte de gris bleu mauve qui pourrait aller avec mon maquillage, et je vais venir le mettre là où j'avais appliqué en fait. C'était quelle couleur? C'était la Naughty. Je viens l'impacter au milieu de ma paupière. Et je fonds toujours les fards. Et donc je reprends mon pinceau violet avec un tout petit peu de matière. Et je fonds les côtés. Et pour ce qui est d'illuminer donc le coin interne de mon œil, je viens prendre donc la palette blush et highlighter fétiche. Et je vais prendre la couleur télépathie, donc celle-ci. Et je reprends mon petit pinceau violet. Et ce n'est pas celui-ci, voilà. Donc, je vais d'abord essayer sans avoir mouillé. On va humidifier un petit peu. Pas trop. J'ai juste quelques petites chutes, donc je vais prendre mon pinceau et balayer. Yep. Voilà, ni vu ni connu au bas. Ah, bien sûr, c'est le qui faisait de la rébellion. Donc il y a vraiment très peu de chutes, ça c'était c'est vraiment très très bien. Ensuite, pour ma muqueuse du haut, je vais utiliser donc le lash liner, et pour ma muqueuse du bas, je vais reprendre mon eye pencil en leuve pour faire le raccord en fait avec mon coin interne. Je fais l'autre œil, je mets mon mascara, mon liner et mes faux cils, et on se retrouve tout de suite pour le reste du tutoriel. Les yeux sont maintenant faits, donc j'ai posé mon mascara, mes faux cils, fait mon liner. Et voilà. Donc passons maintenant au blush et au highlighter. Donc comme dit dans l'intro, je vais utiliser la palette fétiche. Et vu le violet que j'ai mis au coin interne de mes yeux, je pense vraiment que je vais utiliser donc le blush Coven. Et puis vu que je l'ai utilisé dans le coin interne, je vais reprendre Télépathie pour illuminer mon visage. Je pense que je vais faire ça. Donc je prends mon Pro 3F de mon set Fearless Cosmetics en collaboration avec Jordi. Oui, c'est plutôt pas mal. Est-ce que je regarde de plus près? Oui, c'est joli. Alors, c'est pas aussi violet. J'avais un peu peur que, vu les couleurs, vu que j'ai déjà testé la Salem, j'ai pas encore testé Bathory, mais la Salem était assez discret. Le Coven aussi est assez discret, assez naturel, donc c'est bien parce que je préfère rajouter petit à petit plutôt que d'en avoir trop d'un coup et puis foirer mon make-up. Ensuite, toujours du même set, avec It's Likely Makeup, je prends ma Pro 2F et je viens prendre le fard Télépathie. Ouais, si, c'est joli. Oui, si, il est vraiment...
très joli. Je vais approcher pour que vous puissiez voir. Je vais en mettre un petit peu à ce niveau-là. Enfin, aux endroits habituels où j'ai la... Je mets toujours du highlight en fait. Et est-ce que je mets le Magic, donc celui-ci? Je vais tester quelque chose, hein, au pire, voilà. C'est pas grave, c'est que du maquillage. Je vais mettre le Magic sous... J'ai plein de poussière sur mon t-shirt. Sous mon sourcil. Ouais, ça rajoute des petites paillettes, ça met un peu de lumière, ouais. Et enfin, donc, pour les lèvres... Donc c'est pareil dans la collection de Noël. Kat Von D avait sorti un petit bundle de mini lipsticks, des nudes les plus utilisés. J'aurais bien mis le crucifix qui est juste trop beau. Donc le crucifix est comme ceci. Et voilà. Donc il ne me reste plus qu'à fixer. Donc voilà, c'est le look que je vous propose avec la collection de Noël de Kat Von D. Donc c'est parti pour le close-up. Voilà, c'est tout pour cette vidéo avec la collection de Kat Von D. Qu'est-ce que je peux en dire? C'est que cette palette a été beaucoup décriée par rapport au rangement, par rapport à la pigmentation. Alors, je ne comprends pas parce que personnellement, ça, je l'utilise un petit peu plus chaque jour. Et il va falloir que je me dépêche, il y a le soleil qui arrive. Et franchement, que ce soit les fards pailletés compressés, que ce soit les métallisés, les irisés, les mats, je n'ai aucun problème, que ce soit niveau pigmentation, niveau application, il y a juste un petit peu. Donc c'est le Naughty et le Suspension qui sont assez poudreux, donc qui tombent un petit peu, mais franchement vous l'enlevez avec un pinceau et il n'y a pas de souci, ça ne marque pas, et en plus si vous poudrez avant, bah, c'est encore mieux. La poudre vous enlèvera. Donc, franchement, cette palette, j'en suis vraiment contente. On peut faire plein de looks différents. J'en avais déjà parlé. On peut faire des nudes. On peut faire des teints plus chauds, des teints plus froids. Il y a du vert, il y a du bleu, il y a du parme. Il y a vraiment de tout dans cette palette. Franchement, je l'adore. Et pour ce qui est donc de la palette fétiche au niveau blush et highlighter... Le souci, c'est que les highlighters de Kat Von D sont vraiment très très pailletés. Donc, c'est pas comme les Anastasia Beverly Hills ou par exemple ceux de chez BH Cosmetics où là ça va plus faire satiné et irisé. Là, c'est vraiment plus sur de la paillette. Donc, c'est ça. Après, sur les trois blushs, j'en ai testé que deux, donc le Salem et le Coven. J'en suis pour tous les deux extrêmement contente. Franchement, les couleurs sont très jolies, ça fait très naturel. Il y a juste le Bathory qui me fait un petit peu peur vu comment il est rose, mais bon, je trouverai bien un moyen de tester cette couleur. Mais le Rose Shock, je ne l'ai pas testé parce que le Rose Shock, je l'ai dans la Metal Crush, je l'ai en individuel, donc je le connais. Mais le Magic est télépathie, donc franchement... J'aime bien. Au début, j'étais pas sûre de me prendre cette palette là, et puis je me suis dit, je veux tester les blushs, et puis elle est trop belle en fait. Donc voilà. Et ce qui est Studded Kiss Cream, en fait, ce sont simplement les mini, les nudes les plus vendus, les plus populaires de Kat Von D. Donc il n'y a rien à dire, c'est la même formulation que les gros. Donc voilà, j'en suis juste hyper contente. Ils sont très agréables à porter.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me mettre un j'aime, de vous abonner à ma page, de cliquer sur la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos, de me suivre sur Instagram aleana.vegan et s'il vous plaît, me soutenir sur Tipeee. Donc c'est aleana-vegan. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer donc dans le lien que je vous donne dans la description en dessous. De regarder une publicité et chaque publicité regardée, là ce sont des clips, chaque clip regardé me donne 3 centimes pour chaque visualisation, donc voilà. Et je remercie aussi tous ceux qui ont déjà participé, qui font que je suis déjà à 6 euros. Donc voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !